S'il vous plaît. Oui. Pas content. Pas content. Et bonjour tout le monde, c'est Revanzine et bienvenue sur The Hearthstone, pas The Division. J'ai trop l'habitude de commencer des vidéos The Division. Donc les cartes que je joue, on a le jeune dragon sans défense, pistage x2, plan secret x2, s'ensuit des marées x2, détournement x2, une hyène charognarde, piège explosif x2, piège givrant x2, un cobra empereur, et deux compagnons animaux. Deux compagnons animaux de lâcher les chiens, vous l'avez à côté, de toute façon je vous l'ai redit juste. Deux ordres de tuer, deux frénésies féroces, deux maîtres chiens, un maître chien chaud, deux giteuses glisseuses gilopontes, excusez-moi, je regarde sur l'écran qui est tout petit, c'est dégueulasse. Kodo déchaîné x1 et Alexstrasza x1. Pour le Colisée en standard, et c'est bien de la merde. Donc d'ailleurs, faut juste que je fasse un truc. Vidéo, c'est celle-ci. C'est celle-ci. J'ai un peu de place sur le disque dur. On va le mettre là. C'est du Hearthstone, donc on va le mettre là. Hop. Ok, donc au bras de fer. Bon, bah sachez que ce bras de fer, je le déteste cordialement. Et en plus, j'arrête pas d'éternuer depuis tout à l'heure, c'est super pour le tournage. Pour moi, le Colisée, c'est un des pires bras de fer. C'est du chiant, il est payant. Un bras de fer, c'est censé être gratuit. La première partie est gratuite, mais s'il y a 3 défaites, c'est payant. Vous allez voir que maintenant que je veux pas y jouer, je vais gagner. Casser les couilles, c'est encore... J'ai autre chose à foutre que de jouer Hearthstone. Oui, j'en ai marre d'Hearthstone, mais alors. Donc, 3, 4, 3, putain, je vais pas y arriver. Ok, 1, 2, 1, parfait. 1, 2. Haha, tu pourrais rien faire. J'ai pas de secret par contre, ça c'est la merde. Ça c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Au secours, panique. Doha. Bonjour. Bonjour. Je jouerai en premier tour. Tour 2, je joue ça, ça et ça. Prise de risque. Oh, j'ai le même dos de carte. Ah, d'accord, bon, mais il n'a absolument rien. Ah, ok, deck arme. Donc, vol de vie. Une hyène, tu ne peux rien faire contre moi. La puissance du chasseur est totale. Et merde. Voilà. Oups. Bon, ben voilà, ben je me suis niqué. C'est pas grave. Là, je ne peux rien jouer d'autre. J'avais pas le choix, j'ai tenté le coup de poker et ben c'est pas passé. Quoi? Mais putain, mais c'est fumé ça! Bon, mais j'ai perdu. Encore une fois. Mais 10 classes qui valent 1. Enfin 10 cartes de la classe, mais putain, mais c'est fumé. En plus avec de la chatte, tu chopes 10 légendaires, ce qui serait capable, ce qui serait possible. Putain, mais ça, ouais, c'est vraiment le deck voleur. C'est le deck qui te casse les couilles jusqu'au bout. Ah, 2 d'attaque au moins, super. Pourquoi j'ai pris de kobold? Kodo, pardon, pas kobold, pas pareil. Faire ça, ce serait très risqué, donc je vais devoir faire ça. Je veux pas qu'ils reviennent, donc tu dégages. Allez, anti-jeu. Voilà. Voilà. Ah bah je passe un mauvais moment, donc je dois pas être le seul. Non mais... Si vous aussi, vous passez un mauvais moment, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu et un commentaire. En disant, je suis content, je passe un mauvais moment. Ça me gênerait pas, hein, tant que ça reste poli. Mais autant que ça reste un commentaire un minimum poli, un minimum bien écrit, ou un minimum construit, ça me va très bien. Ah oh, mais putain, c'est le deck casse-couille. Le deck voleur casse-couille. Bon. Et en plus, il y a que des trucs. Donc. Ah. Donc mon Kodo, il ne sert à rien. Il ne sert à rien, mais je vais devoir le jouer parce que j'ai rien d'autre. Quoique, c'est une bête? Bah why not? Why not? Allez, bah j'ai pas des masses de choix, donc, allez, booste-moi cette merde. Hop, allez. 3, 5, 4. Tanky.
J'ai pas le choix, je peux rien faire d'autre. Donne de la vie, donne la vie, viens t'attaquer à mon verre. Alors, regarde-moi cette tête de merde par contre. Bon, c'est pas mieux. Hein. Bon, va falloir que j'arrange ça, moi. Toujours un problème, en fait. Et merde. Enfoiré. Putain, c'est pas un deck direct. Non, mais c'est vraiment pas un deck direct, en fait. C'est un deck... c'est un deck de l'arnaque. Bon, tu peux te dépêcher, s'il te plaît. J'ai autre chose à faire, maintenant, moi. Problème à régler. coucou. Attends, on va faire quoi? On va faire ça. Ça. Coucou. Ouais, bah il sert à rien, mais bon. Ça me fait une force de frappe supplémentaire. Sachant que s'il me les laisse, encore deux tours. Enfin non, il me laissera pas deux tours, c'est certain. Putain, il y a tellement de cartes en main, c'est n'importe quoi. Non mais faut que j'arrête de jouer avec OBS moi. C'est quand je clique sur les cartes sur OBS ça marche pas. Puisque oui, l'affichage OBS sur mon écran secondaire est mieux que l'écran principal. Donc bon, un écran Samsung 24 pouces, c'est ce l'incurvé 24 pouces que vous avez sur Amazon à 120 et quelques euros, c'est lui que j'ai. J'en avais marre de la télé 80 cm qui me niquait les yeux. Donc j'ai pris un petit écran sympa, qui me fait moins, la migraine à vrai dire. Puisqu'une télé, normalement, il faut être à 1 mètre de distance. Là, j'y étais pas. Non, je prends un écran qui est un peu plus à ma taille et qui me va mieux. Sachant qu'après, je l'adapterai aussi ma console, qui me servira de lecteur Blu-ray et pas de console, parce que les consoles, j'en ai rien à carrer. Sur ma télé, avec une bonne sono, ça peut être très sympa. Et en attendant, je ne pioche absolument aucun sort. Et 4 dégâts, c'est ça? Un combo, 4 dégâts, bien sûr. Allez, allez nique ta race, tu me casses les couilles. Voilà. Je vais pas avoir des masses de choix. Trois, six, huit. Donc ensuite tu vas me faire ça sur ça et toi tu bouffes ça et ça. Je joue juste de la défense. Je n'ai pas d'intérêt à... Enfin, si, techniquement, si, j'ai un intérêt, mais je préfère jouer un peu de défense. Ah mais merde, mais l'extrasa, il me sert plus à rien. Ah bah lui, il va niquer le kobold à 2 de dégâts, c'est ça? J'ai remarqué. Et ça lui a consommé combien de mana? 6 mana ou 1 mana? Il a combien de mana? Non, bouge. Ah, 5, ah ouais, 4, donc c'est bon. Donc là j'imagine qu'il attaque la 3-1. Donc Alexstrasza je vais devoir la garder en survie. Je vais être obligé de la garder en survie. Putain c'est tellement chiant ces decks. Je vous parie combien que c'est le truc fait 2 de dégâts à tous les adversaires. On va tenter le fight, on verra bien. Par contre tu peux jouer s'il te plaît, là t'es chiant. Ça fait 10 minutes déjà, c'est normalement une partie correcte, ça se finit en 5 minutes, c'est l'Hearthstone, faut pas déconner. Donc. Ça dégage, cordialement. Ok. Va être compliqué cette partie.
Mais si je gagne, c'est un putain de miracle. Ouais. Quel deck de l'enfer. Oh non. Ok, je suis mort, c'est fini. Mais il l'a eu où celle-là? De la classe de l'adversaire, c'est une chamane, je me suis fait niquer. Ah ouais, non mais je me suis vraiment fait niquer parce que c'est une classe chamane et il était pas censé en avoir. Parce qu'il a joué que des trucs classe de l'adversaire. Je me suis juste fait niquer. Eh bah j'abandonne quoi, j'ai envie. J'ai envie d'abandonner. Allez Taras, allez. Descends. Connard. Bouf. Ouf, Alexstrasza, elle a assez de PV. Voilà. Ton heal, allez. Allez bouffe. Voilà. Bon, il peut niquer Alexstrasza, ce qui me ferait chier, ce qui serait dommage. 8-4-4-3. Ah putain. C'est la classe de votre adversaire. Non, c'est pas une classe aléatoire. Quand est-ce qu'il a joué un truc d'une classe aléatoire? Si vous le savez, dites-moi le dans les commentaires. Ah merde. Ah mais quel deck de l'enfer ce truc en face. Ok, donc on commence par ça. Ensuite on joue ça. Ensuite on joue ça. Sur ça. 6, 7, 8, 9. Ok. Donc. Attends, déjà on va faire ça cordialement. Tu dégages. Voilà. Ensuite. Ça passe. C'est pas très grave. Donc hop. Tac et tac. J'ai un espoir encore de gagner, à moins qu'il me ressorte son putain de kill chaman qui doit pas être dans son deck. Parce que oui, bleu c'est chaman, je ne joue pas chaman. Et je connais pas donne de cartes d'une classe aléatoire à part une carte ultime, mais là je l'ai pas vu sortir. Donc son kill chaman, je sais pas d'où il sort. Putain mais quel enfer ce truc. Quel enfer. Bon, tu joues ou t'as perdu? Allez, avoue-toi vaincu, s'il te plaît. Allez, je mérite, j'ai jamais joué à Hearthstone depuis 6 mois. S'il te plaît. Allez. Allez. Je veux dire quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Je gagnerai pas, c'est quasi certain, parce que s'il me pète la 6-4 avec la 4-3, s'il me pète la 4-2 avec la 3-3, il me pète la 1 avec l'arme. Par contre, s'il fait rien, je gagne. Parce que j'ai rien derrière. Mais allez là, ça c'était certain. Voilà, ça c'était certain. Voilà. Quoi. Ah bah tu bouffes. Ah il prend des risques. Oh il prend des risques. Merci. Merci. Ah merde. Non. Et à moi un peu. Oh putain, c'est fumé ça. Oh, putain, mais cette partie elle va être tellement longue. J'hésite entre ces deux. Ouais, ça sera plus intéressant ça pour le gain de vie. Bon, mais je suis pas dans la merde, moi en attendant. 4, ouais, bah, c'est mort. J'aurais dû m'en douter. Aucune des deux ne serait passée. Oh, j'ai envie d'abandonner. Putain, elle m'a cassé les couilles, c'est parti. Oh non, mais... Oh, putain, c'était dès que du cancer en face. Non mais... Foutage de gueule. Non mais... Mais c'est fumé, ça. Non mais ça devrait pas être jouable, ça. C'est pas jouable. Non, c'est du foutage de gueule, ça. C'est pas jouable. Collectionneur de visages, cri de guerre ajoute un serviteur légendaire aléatoire dans votre main. Oui, bien sûr. C'est n'importe quoi, ça. J'ai une solution, c'est ça. J'ai une solution pour résister, parce que je fais tout péter, en fait, s'il tape. Je peux rentrer 6, je passe à 5. Lui, il reste à 9, pardon. Il lui inflige 9, je pourrais pas, donc j'ai perdu. Allez, ça dégage. Au revoir.
Il s'en doutait un peu, je pense. J'imagine. Voilà. Ah non. Bien joué. Bien joué. Bon, bah, je vais arrêter le bras de fer parce que ça me gonfle. Donc, moi je fais une pause pour me détendre un peu. Frustré. Donc les gens, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. C'était Revan Zumil, je vais me détendre. Et pas content comme d'habitude. Allez, bye. Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. On en a gros.